Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. La dernière fois dans cet endroit magnifique, Corvillac Organis, après avoir visité le Skein, nous avons voyagé à travers le monde des rêves de ces personnes-là, des conciles du sage. Il y a encore des cadavres que je dois... Ah non, que j'ai déjà fouillé. Pourquoi j'ai encore des cadavres? Je sais pas. Ah, et lui, il est mort. Bref, dans tout cela, nous avons parcouru les rêves avec notre très cher ami et encore Gan qui a pu faire ça avec nous. Et actuellement, nous avons un indice sur notre prochaine destination, à savoir ceci. Le passage Vertel, le dieu de la mort Myrcule, qui est à l'origine de la malédiction, c'est à lui que l'on doit se déplacer pour savoir comment la lever. Et pour cela, il nous faudrait retourner du coup dans le théâtre de l'ombre et demander aux gardiens d'ouvrir un portail vers l'académie. Tout simplement. Et alors oui, il y a encore des petites... voilà, il y a encore les trucs. Voilà. Mais le passage RT, c'est ce qui va nous intéresser. Et de ce que je vois, vu que j'ai une soluce à côté de moi, je le dis encore et toujours. De ce que je vois, il semblerait que ce soit la dernière grosse étape de cet acte 2. Et quelque part, tant mieux, parce que bah, même si l'acte 2 est rempli de bien des choses au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, j'ai déclenché des pièges. J'en ai plus rien à faire, faut juste que je sorte. Et bien malgré tout, cet acte 2 est relativement ok. Il est très sympa. Alors certes, il y a de la difficulté. Ça je le sais. Tiens d'ailleurs, il faudrait que je fasse j'y pense aussi, il faudrait que je passe faire un tour au marchand. Mais oui, l'acte 2, très 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 cool au final et c'est une très bonne chose. Je vais quand même sortir de cet endroit, donc normalement la porte est là-bas, ouais. Je pense que jusqu'à maintenant, la phase que j'ai trouvée incroyable, c'est la phase du Skein. On est dans ce labyrinthe un peu bizarre avec moult choses. Ah, le portail, parfait. Ce portail vous permet de revenir à Rivenuit, oui. On retourne à Rivenuit. Et à partir de là... Ouais, alors ça c'est toujours un souci malheureusement. À partir de là, on retourne au niveau du portail qui doit être quelque part par ici. Ah, on va peut-être... je vais peut-être me faire casser la gueule par le génie parce que je lui ai dit oui, je vais tuer quelqu'un et je ne l'ai pas fait. Parce que je suis une bonne personne. Ah, Il y a un cercueil ici. Oula. Éloignez-vous du comte Perchefreux, misérable. Mais il était pas là ce truc. Et dans le cercueil, ce n'est pas un cercueil ordinaire, il boit cendré contre le sens d'un genius loci. D'accord. Enchanté par le comte, blablabla. D'accord, que comptez-vous faire? Vous êtes présent sous le trompette du comte, il s'évira en colère. D'accord, bon bah, ok. Ok, bon bah, je laisse ce truc là, et puis je m'en approche pas. Parce que les combats, quand même, sont assez compliqués. Hop, on retourne. On retourne ici. Normalement, j'y... Ah, ouais. Ah, lui. Alors lui, je vais quand même lui parler. Voilà, vous n'avez pas respecté notre accord. Exactement, je m'en doutais. J'ai dit, mais l'élémentaire était trop puissant. Oh, si tu savais. Anéantir le moteur aurait causé la destruction de tout l'édifice, c'est vrai. Je vais pas jouer à diplomatie, je dis la vérité. Je vais vous faire de vous un exemple. Voilà, donc on est bien d'accord là-dessus. C'était très clairement un mauvais plan. C'était très clairement un mauvais plan, ce personnage. Heureusement, j'ai quand même des gens qui se débrouillent super bien. Hop, on a déjà un golem de moins. Et lui, il va décéder. Voilà. Tout simplement. C'était sûr et certain.
C'était sûr et certain, mais le golem était beaucoup trop puissant. Bien joué tout le monde, trop fort. Je vais garder cette compo, je pense, très longtemps. Alors, faut juste que j'essaye de viser, du coup, le drop de cette personne. Oh, une cape non identifiée. Est-ce que je peux l'identifier? J'ai beaucoup trop de choses. Non, il va falloir que je fasse un petit tour au shop, du coup. Ce qui veut dire que la quête de Faitoni, malheureusement... malheureusement, elle est caduque. Fragment, la sagesse... Oui, je pense que oui. Ouais. Alors ça... Ça, pourquoi je... J'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris la quête du savoir ancien. Ça, c'est un piège, voilà. Et on attend encore. Ok, donc nous, on va rester ici. Sortir, je vais retourner à... à Mulsanthyr. Non, je voudrais retourner à Mulsanthyr tout court. 2 jours de voyage, c'est parti. On n'a pas de mini-événement genre « Oh, il y a une embuscade sur le chemin » ou ce genre de choses. C'est un peu dommage. Très bien, on est à Mulsanthyr. Je sais qu'il y a un marchand qui est juste là. Ah oui, pour ceux qui se demandent, je rappelle que mon énergie, pour un peu plus de facilité quand même, à part tricher, j'ai mis un petit mode, un petit script qui me permet de perdre moins vite de l'énergie et en plus de cela, de pouvoir réutiliser... l'assouvissement sans perdre d'XP. Parce que je vous cache pas, c'est un petit peu énervant ce genre de choses. Qu'as-tu à vendre? Alors non, c'est pas qu'est-ce que tu vas vendre, c'est je vais te vendre des choses. Et je vais faire un... Bah écoutez, je vais tout de suite couper là et je vous reprends rapidement, sauf s'il y a des choses intéressantes à montrer. Oh yes, bah tiens, voilà, 5 sacs sans fond, c'est parfait ça. Eh ben, j'ai fait mon shopping et j'ai trouvé des trucs intéressants. J'ai une poche sans fond maintenant. Autant vous dire que c'est une excellente nouvelle. Alors, on retourne dans le voile. Et puis, est-ce que... Non, il n'y a pas Lina. Lina n'est pas disponible. De toute façon, Lina, en théorie, elle serait utile à ce moment-là de l'histoire. Mais j'ai pas du tout envie de la prendre avec moi, même s'il a été utile, hein, c'est jusqu'à un certain point. Est-ce que je peux lui parler? Au moins, je peux au moins lui parler. Je sais même. Ouais. Alors par contre, je sais plus où elle est. Je ne sais jamais où elle est. Ce qui ah, c'est Safia. Putain, Lina, c'est qui? C'est à quel sujet? Alors, est-ce que non? Non. Ok, c'est y part. On va parler au... Ah, j'ai mis le golem de la nuit. Je pense que j'aurais aussi pu aller jusqu'à un peu plus loin dans la zone quand même, mais je l'ai pas fait. Non, non, alors non, c'était pas là du tout. C'était pas là du tout. Il y a un coffre. J'ai raté le coffre. Alors, le golem qui m'a demandé une compréhension d'un objet, je peux en parler. Dis-moi, mène ses portes. Est-ce que... Ah, alors attends. Alors attends. Merde, l'académie. Ah, faut que je demande... Visiteur, ouais. Où mène la quatrième porte? Est malléable, elle mène vers de nombreuses destinations, mais uniquement des destinations qu'elle connaît. Ok, vas-y. Ah, voilà. Le tertre de cou. Ah, je peux retourner dans le tertre. L'académie des façonneurs. Cette voie a été condamnée par Néphris, la magicienne rouge, lorsqu'elle a quitté la salle des portes. Ah, ah bah oui.
Le gamin s'est reçu pendant le moment à tel point que vous commencez à vous demander s'il ne s'est pas endormi. Mais soudain, les sons sont brisés, la porte est ouverte. Eh bah, parfait, merci bien. Pas de retour arrière possible, on y va. J'aurais tellement dû prendre Saphia. Juste pour voir les dialogues. Oh la vache. Ah oui, donc le feu. Donc le feu. Ok. Le montait. C'est un peu drôle. Ça fait. Ça, c'est, si, je trouve ça un petit peu drôle. Là, la VF a réussi à me faire rire. Suivez-moi. Alors, faut juste que j'essaye de savoir où je dois aller et de me repérer. C'est juste ça que je dois faire. Ah. C'est la première fois que je quitte la Rachimie depuis toujours. Wow. Bien. On va les attaquer là. Ah, ils sont en hauteur, fais chier. Je suis en train de stresser. Allez, on y va avec Goku pendant que les deux autres ils font la bagarre. Parfait. Aïe. Ah, on a déjà perdu quelqu'un. Super. Donc là on est sur des bonnes ambiances là. Pour une fois. Ah, j'ai monté un niveau. Pardon, j'ai monté un niveau. Excusez-moi. Ah oui, elle est. Ah. Qu'est-ce qui. Je crois que Goku il en a vu d'autres. Oh la vache. Alors. Je regrettais mon choix. Mais au secours. Des wyvernes. Ah oui, quand même. Bon alors les wyvernes pour Goku c'est petit déj. Ah, il y en a trois. Il attaque lequel? Il attaque celle-là. Ok. Il est où Gan en fait Ok, deuxième wyvern. J'essaie de me repérer, c'est pas facile. Je suis même pas mort, c'est fou ça. Mais en tout cas, bravo. Ah, ça commence. Bon, elle est revenue à la vie, c'est parfait. Ouais, bah on va se soigner en fait, pas le choix. Là, vraiment, y a pas le choix. Mais je vais déjà passer mon niveau. Je suis niveau combien? Oh, je passe au niveau 25. Incroyable. Je vais essayer le jeu décider à partir de maintenant. Un pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il me recommande? Dextérité surhumaine. Le personnage gagne plein bonus de plus 1 à dextérité. Oh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Dextérité, je prends. Oh, attaque sournoise, ça va pas mal augmenter. Ok, on va se poser pendant 8 heures histoire de se soigner complètement. Ah, et en plus il fait jour. Impeccable. Ah, par contre, Ken il commence à m'énerver. Ah non, c'est Kaylin. C'est Kaylin qui a un peu de mal. J'ai des drops à récupérer. Bon, le montait. Ça va, ça reste assez classique. Un maximum d'or. Qui est sûrement utile pour la prochaine fois. Par contre, là, ça veut dire que si je me fais déjà. Ah oui, ok. Garde d'élite de l'académie. Ah bah, on va pas se. Oui. On va pas patienter, hein. Oh, il y a des. Oula. Ok, je vais remourir en premier. Je suis mort en premier. Tant pis, moi bon, je laisse les gens se débrouiller. Hein. Regardez, ils se débrouillent très bien. Par contre, là, ouais, c'est lui. Lui, il est compliqué. Alors. Comment on attaque un mec qui est là-haut?
Ça se trompe pas. Ah, ouh. Bien joué. Bon, on se replie. Maintenant. Attends. Mince. Suivez-moi. On se replie, j'ai dit. On se replie, genre, très très fort. Ah, mais j'ai déjà passé le stade 1. Ok. Les ennemis sont à proximité, là. Ouais, alors, maintenant, j'ai fait ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, bon, bah là, j'ai juste à faire un tout droit. Juste aller tout droit, et puis c'est tout bon. Faudrait que j'arrive à... Si j'avais un pouvoir magique à distance, ou une arme à distance, j'aurais pu... Je pourrais peut-être potentiellement... Voilà, pas me prendre les flèches dans un premier temps. Là, je me prends toutes les flèches, hein, je reste tout droit. Ma vie est comme ça. On va passer tout droit. Hein. Suivez-moi. Voilà, non mais on va passer tout droit, j'ai dit. Ah, ils m'ont fermé la porte. Ah bah ouais, mais là j'ai l'air d'un con. Facile comme dans un rêve. Là j'ai l'air d'un con en fait. Ah là j'ai bien l'air d'un con. Ah. Ah là c'est honteux. Ouais, en fait il faudrait qu'on soit tous les quatre dedans. Zut. C'est la maxi honte en fait, ouais. Forcer. Oh, je peux forcer la porte. En vrai. Genre en vrai. Mais non. Elle absorbe pas mal. Bon, bah problème réglé. Bon, heureusement je suis une personne un peu intelligente. Alors non, Oku, tu es la personne la plus forte. Stop deux secondes, je vois plus rien. Ouais, bon alors là, je vois plus rien. Là, lui, attaque-le. J'ai dit, Oku, attaque-le. Voilà. Et on ouvre la deuxième porte. Voilà, et du coup... Ah, parfait, du coup. Hop, or, suivez-moi, et go. Go, on avance. Non, là, lui, on l'attaque. Plus personne n'attaque. Personne n'attaque, attends. Attaquer. Ah, voilà, c'était ça. Non, mais c'est sûr, quand on donne les bons ordres, ça passe mieux. Suivez-moi. Donc là, il faut vraiment y aller en douceur. Ok. Ok. Eh bah, dis donc. Bon. Ah, je suis obligé de rentrer, malheureusement. Suivez-moi. Est-ce que là, je suis encore à... Ouais, bah tant pis, on va rentrer. Je sais pas ce qui va attendre dans cette zone. J'ai un peu peur. Je me fais accueillir. Bah... Non, c'est bon. Ok. Oula. Bien, je vous ai trouvé avant les autres. Je suis Jaffi, l'un des maîtres de l'académie. Nefris m'avait demandé de vous aider en cas de malheur. Et comme vous l'avez sans doute deviné, ce malheur est bien arrivé. Araman est maintenant directeur de l'académie. Il vous cherche, vous savez. Il a recommandé aux maîtres survivants de se méfier de vous et de vos amis ici présents. J'ignore où il se trouve, mais je crois qu'il cherche un moyen d'éliminer la fondatrice, ce qui ne sera pas chose facile. À dire vrai, personne ne l'a jamais vue. La légende veut qu'elle ait vécu toute sa vie dans un sanctuaire secret situé sous l'Académie, mais qui peut dire quelle est la part de vérité dans cette histoire? L'Académie existe depuis plusieurs centaines d'années. Inutile d'être numérologue pour comprendre qu'Araman a quelques siècles de retard. Oui. C'est un homme particulièrement
obstiné. Même si la fondatrice est morte, il ne le croira que lorsqu'il aura vu son cadavre de ses propres yeux. Araman est sans aucun doute débordé, mais ce n'est pas le cas du reste de l'académie. Il a demandé au professeur d'éviter toute confrontation. Mais pour tous les élèves, vous êtes des intrus. D'ailleurs, nous ne devrions pas rester ici, c'est imprudent. Néfris ne m'a donné aucun message pour vous, mais j'imagine que si elle vous a laissé quelque chose, vous le trouverez dans ses appartements. Quant à moi, je dois retourner auprès de mes élèves. Si vous avez besoin d'aide, je serai dans ma classe. Oh, cool. Il y a une personne qui peut m'aider ici. C'est déjà pas mal. Alors, académie, salle de classe. Très bien. Alors, ne bougez pas. Je fais juste un tout petit truc. Voilà. Je fais juste ça. Alors, voyons. Oh là là. Alors. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Ça a l'air d'être très grand. Je suppose qu'il y a plein de salles, plein de trucs, plein de machins. Ce qu'on va faire, déjà, petite 1. Impossible de se reposer ici. C'est une blague. Oh là là. Je sens que ça va être un grand moment de gameplay. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille dehors pour me reposer. Si je dois aller dehors pour me reposer avec l'archer qui me tire à vue, c'est délicieux. Oh si, ça passe. Un ennemi proche. Attends, deux secondes. Je sais que oui. Toi, on est d'accord, t'as des sorts. Sort rapide. Toi, on est d'accord, t'as des sorts quand même qui sont utiles. Marteau, puissance, divine, colonne de feu. Oui. T'as des sorts qui sont utiles. Donc, ça veut dire que si je fais ça et que je te demande de faire ça. Ah mais... Bah, attends, il y a une échelle? Mais non, il y a une échelle. Oh! Oh merde! Attends, ça change tout. Est-ce que Oku peut utiliser l'échelle? Genre aucune vanne. S'il peut utiliser l'échelle, ça va chier. Oh là là, ça va chier. Impec. Et ben voilà. Hop, on redescend l'échelle. Je m'en charge. Toi, tu redescends l'échelle. Et puis voilà. Techniquement, là. Non. Hop. Avec moi, mes amis. Je passe. Vous revenez ici. Et donc là, normalement, il n'y a plus d'ennemis. Les ennemis sont proches. Ah, faut vraiment. Ah, il y en a deux. Bah, Oku va tous les faire, en fait. Non mais au moins j'apprends. Et je lui dis d'aller monter. Et je suis trop bête. Oui. Oui. Faut que j'arrête de faire ça. Hein. Pour la croisade. Tac. Tac. Voilà. Et donc là, c'est tout bon. Les ennemis sont un peu plus loin que prévu dès maintenant. Voilà, et ben impeccable. Ah, ça va. Ça marche pas? Ah, c'est faux. Oui. Pardon, faut que ce soit lui. Ah, un ennemi proche a interrompu votre repos. Ah, faut que j'aille. D'accord, faut vraiment que je me mette. C'est ça, fallait que je me déplace de 5 mètres. Et voilà, c'est tout bon. Ok. Pardon. Petite perte de temps ici, excusez-moi. Alors. Donc là, c'est la salle de classe de Jaffy. Alors, sur quoi Néfris a travaillé avant de mourir? Oh! Par sa tour, sans doute, ou plutôt pour ce qu'il en a, c'est là qu'il a. Ok. Était susceptible d'avoir des informations. On se trouve à Raman, il doit être au-dessus.
À qui puis-je faire confiance? Où se trouvent les anciens appartements? Dans la tour pour la trouver, ce n'est pas bien difficile de monter les escaliers jusqu'à leur sommet. Les escaliers. Quartier des instructeurs. La tour de la directrice. Très bien, donc c'est là que je dois me rendre 100%. À qui puis-je faire confiance? Personne sans doute, les chances de qu'un homme de 7 est un parfait étranger soit infime. Yes. Sur une personne. Oui, ben non. Nefris. Hop, un petit peu de l'or. Bon, on va voir. Ok, donc là, c'est un... C'est même pas un endroit safe. Bon. Il y a quand même pas mal de gens morts. Et là, on a une... La présence de cadavres au sein des... J'ai mis le son un tout petit peu trop fort. Chez moi, je peux pas le monter, sinon vous allez voir mon volume. Je vais essayer d'aller au centre. D'aller dans cet endroit-là. Au centre. Oh, gardien. Le gardien tourne vers vous en regard vide de toute expression. Qui êtes-vous? Je suis le gardien de la chambre des âmes. Mon rôle est de maintenir le calme, d'enregistrer les entrées et les sorties, de signaler les impliés. Quel est le règlement? Chaque visiteur est autorisé à emprunter une âme et une seule. Les contrevenants devront affronter le système de défense. Oh, oh. Très bien. Quand fonctionnent les installations, vous pouvez examiner les âmes en les plaçant dans le réceptacle prévu à cet effet et activer le levier adjacent. Combien d'âmes puis-je emprunter? Je pense qu'une seule, ouais. Combien d'âmes ai-je emprunté? J'ai emprunté aucune âme. Comment dois-je faire pour rapporter une âme? Rapporter tout simplement dans cette pièce. N'oubliez pas que toute âme située hors de la pièce est considérée comme une âme empruntée. D'accord. Ok, très bien. Et donc là, il doit y avoir une mécanique. Réceptacle d'observation. Oh, d'accord. Réceptacle d'âme numéro 127. Le matériel de ce réceptacle, sans doute, justice, en dépit de son apparence, une lueur émane, d'accord. Réceptacle d'âme numéro 223, on dirait des SCP. Il est légèrement entre ceux-ci des poreux. Oulala, ça veut dire qu'il doit y avoir. Ça veut dire qu'il doit y avoir des énigmes. Ou au moins une énigme à base d'âme. Ah, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Il y en a que... Ah non, il y en a une autre, là. Alors, par contre, là. Ok, je sens que ça, ça va être plus ou moins intéressant. Ok, bon bah je vais me rappeler de cet endroit, je pense que ça va être utile. Je suis sûr et certain qu'il doit y avoir des trucs à faire avec ça. Voyons, on va essayer de pas se perdre et on va commencer par ce côté-ci. Putain, il y a beaucoup de personnes mortes, c'est assez effrayant. Bonjour. Ok. Ok, il y a... Une, deux, trois personnes. Je vais faire une save là quand même. Ça se trouve, je dérange un cours. Alors, bonjour. Ah. Oh. Qui me tape? Qui me tape? Quelqu'un me... Qui me frappe? Processus de duplication endommage l'âme. Bon, attends, je vais parler au professeur. Ah, je suis en plein cours, d'accord. Ah, mais il y a une porte fermée ici. Il y a une porte fermée ici, là. Ouais. Ouais, bon, je vais laisser faire leur cours. Ouais, laisser tranquille. Ok, ceux-là, ils sont safe. Je vais fermer la porte, histoire de dire, ouais, c'est bon. Ok. Mais il y a une porte fermée, donc... peut-être que je dois trouver quelque chose.
La suite, voyons voir. Ah, mais il y a un truc qui me... Quelqu'un me frappe. Oui, bah tant qu'il me frappe et que j'ai mon anneau, c'est tout ce qui compte. Il va y avoir des pièges ou une saleté invisible. Je regarde quand même qu'il n'y ait pas de... de personne dans les couloirs. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bonjour. Oula. J'ai pourtant tout vérifié. Sur quoi travaillez-vous? J'essaye de résoudre un problème posé par la directrice Nefris à tous les étudiants. Théoriquement, ce problème n'a pas de solution, mais elle prétend avoir résolu. Vous savez que Nefris est morte. C'est vraiment dommage, Nefris était un excellent professeur, mais ainsi va la vie. Ah, ok, d'un autre côté, maintenant qu'elle est morte, si j'ai résolu ce problème, personne d'autre n'en connaîtra la solution à part moi. Quel est le problème? Après tout, vous avez autant de chance que n'importe qui d'autre, sauf moi, bien sûr. Il y a encore quelqu'un qui me casse la gueule. L'énoncé est le suivant. Par nature, les méphites ont tendance à se déplacer et à interagir de manière chaotique. Si on place dans une pièce des méphites de feu et dans la pièce adjacente, accessible par un seul passage, les méphites de glace, les méphites n'iront pas être répartis équitablement entre les deux pièces. Sachant que le flot de leur mouvement va toujours de l'ordre vers le chaos, comment faire pour revenir à l'état initial, à savoir qu'une pièce remplie exclusivement de méphites de glace et l'autre remplie autant de méphites de feu? Ouais, j'ai rien compris. Pouvez-vous répéter? Je crois que j'ai compris. N'obéissez à aucun ordre, les frises prétendent qu'on va en... D'accord. En fonction de la vitesse de sa direction, la réponse est à portée de main, je le sens. Et si je résous le problème? Eh bien, au-delà du prestige, la directrice Steffi a développé un moyen de canaliser l'énergie libérée par l'état final créé par la solution sans deck. Contient très fragment d'une âme divisée par Nefrit. Il y a bien longtemps, mais pour restaurer une âme ainsi divisée, il ne faut pas fusionner une âme pour les dégâts. L'opération n'est plus possible que dans une seule direction, comme pour le Mephit. La directrice espère utiliser ça, d'accord. Si vous voulez, mon avis, c'est un peu tiré par les cheveux. Je vais... Comment fonctionne l'expérience? Alors, vous n'avez qu'à actionner ce levier pour ouvrir et fermer la porte. D'accord. À chaque fois que la porte s'ouvre, un effet de chaque pièce passe de l'autre pièce, ok. Alors, le levier. Alors ça, c'est la méfite, le réceptacle, ok. Ok, donc c'est là où il faut que je mette... Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ah, c'est les méphites. Ok. Donc ça, c'est l'OBA. Ah. Bonjour. D'accord. Oui. Ah, merde. Ok. Non, arrêtez. Putain, on est en train de tout péter. Suivez-moi. On est en train de tout péter. Il faut pas. Il m'écoute pas. Suivez-moi! Alors, on va la refaire autrement avant que je casse tout. Il y a un levier. Ah, il y a un obélisque ici, il y a une porte. Ah, boîtier de contrôle. Ah, voilà. Les portes s'ouvrent. Ok. Ok, d'accord. Bon, on va laisser ça là. Donc, il faut que je mette une âme ici. Et c'est en ça que les âmes au milieu, là, vont être utiles. Donc, il va falloir que je fasse un emprunt. Très, très bien. Ok, donc en fait je me plante, je regarde aussi ce qu'il faut faire. Il faut juste que ce soit tout dans un sens et pas dans l'autre. Ce qui veut dire que il faut beaucoup de patience. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, ils vont venir tranquille. Hop, je vais leur dire de
tenir la position. N'avancez plus. Hop là, je me suis pris un dégât, c'est pas grave. Et là, juste avec la boîte de contrôle, j'ai juste à attendre. Voilà. Je peux ouvrir la porte? Ah oui, je peux ouvrir la porte. D'accord. Ah, j'intervertis les places. Ok. Donc là, j'en ai autant d'un côté que de l'autre. Je dois juste attendre qu'il y en ait un de feu et un de glace à chaque fois. Donc si je fais ça, en fait... Ah, ouais, c'est les plus proches des trucs. Ok. Ok, ok. Donc c'est un peu long, au final. C'est un petit peu long. Je peux leur parler ? Hop là. Raté. Ça va être très long cette histoire, hein. J'annonce tout de suite. Ah. Ben voilà. Oh. Oh. Ah, c'était un peu compliqué, mais c'est bon. Oh la vache. J'ai réussi. Ah bah, c'est facile, hein. Elle est presque intégralement restaurée, mais pas tout à fait. On distingue encore les différents fragments lorsque les étudiants que vous avez réussi sont au vert de jalousie. Ah bah oui, merci. Et du coup, je récupère l'âme fragmentée. Oh, a été scindée puis unifiée grâce à l'expérience d'un méfi, toutefois discerné à travers le réceptacle plusieurs sources de lumière là où vous seriez attendu une source continue, tout comme... Oui, bah je prends. Et en tout cas, j'ai eu l'XP. C'est pas facile parce que c'est surtout attendre au bon... Au bon moment, au bon endroit. Suivez-moi. Bon, ok. Ça c'est quoi? Ça c'est le quartier des instructeurs. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'aller au quartier des instructeurs? Ah bah oui, parce qu'il faut que je... Oh là là. Oh là là, oui, parce qu'il y a l'air d'avoir un max de trucs. Bon, on va laisser cet endroit ici pour le moment. Ah, puis en plus ça descend. Yes. On va essayer d'aller dans la... Non, on va pas essayer d'aller dans la tour, on va déjà essayer dans le quartier des instructeurs juste après. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a de la bagarre. On a la bagarre. On a la bagarre. Bon, bah, on y va, hein. Oula. Ah, par contre, la magie, ça fait mal, hein. La magie, ça fait mal. On a déjà... Ah non, il y en a toujours 4 personnes. On a toujours 4 personnes et personne ne vient m'aider. Oku, t'es où? Oku, ok. Ah ok, Oku, il a déjà mis en pièce une personne, deux personnes, trois personnes, à la dernière. Oh, l'armure, on va pas t'aider, mon pote. Ok. Bon, un souci de régler. Ensuite, on va continuer d'avancer. Pas trop mal. Hop, et hop. Malgré mon malus de ouf gueudin, là, je suis pas mal. Ah, par contre, si tu restes bloqué. Ok, bon, ça, c'est réglé. Ensuite, on a la porte du fond. Bon, je me fais toujours attaquer pour des raisons obscures. Sûrement un piège. Qu'est-ce... Oula. Ah, oh. Une salle de classe. On va laisser les gens tranquilles. Et bah, et du coup, il nous reste que ce couloir. Il nous reste... Mais non, mais... Ah, mais il y a une porte, là. Attendez, là, il y a une porte. Oui, il y a une porte. J'étais pas fou. Je n'étais pas fou. Oula, oula, qu'est-ce... Oula. Une forge. Une forge. Oui, dans une académie. Oui, me paraît pas bizarre. C'est du coup... Que faites-vous ici? De la recherche, j'enseigne de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Je suis artisan de formation et j'essaye d'expliquer mon savoir aux âmes. Le plus souvent, mes expériences échouent, mais on me laisse rester car mes idées sont novatrices. Vous avez l'air différent des autres golems. Je n'en suis pas un. Mon âme et mon esprit ont tout simplement été transférés dans ce corps. Oh. Au cours de mes travaux, je suis souvent exposé à de la chaleur qu'un corps humain ne supporterait pas. J'essaie de découvrir sur quoi Néphris travaille avant de mourir.
À chaque fois que je la vois, elle est plongée dans son travail. Mon expérience, sur les méfites est encore installée. Oui, j'ai résolu. Vous avez réussi à reconstituer l'âme, pas tout à fait, mais presque. Le drogue d'expérience souffre du même problème, mais je trouve que sa méthode était riche de promesses. Travaillait-elle sur autre chose? Elle passait de temps en temps dans le quartier des instructeurs, généralement pendant les heures de cours. Ah ah, elle ne vit pas ici, mais je pense qu'elle a besoin de place pour ses nombreuses expériences. Quelle sorte d'expérience? Nos intérêts convergent, même si nos méthodes diffèrent. C'est elle qui m'a proposé un poste ici afin que nous puissions échanger nos idées. La discussion tournait principalement autour des âmes et de la manière de les fragmenter, de les rassembler, de les dupliquer. La plupart du temps, elle travaillait dans sa tour et elle ne descendait ici que pour comparer ses notes aux miennes. D'accord. Intéressante personne, du coup. Est-ce que je peux me soigner? Bah non, j'ai pas le droit. Très bien. Très très bien, très très bien. Et bah ça... Bon, on avance. Je pensais que ça allait être un peu plus long par ici, au final. Mais ça va. Ça va. C'est pas très très long. Ah, oula. Oula. Là. Il y a une, deux, trois, peut-être quatre personnes. Bonjour. Quatre, cinq personnes. Bonjour. Mais d'ici pour la facilité, c'est-à-dire. Aramaner a exécuté le professeur qui s'était rangé du côté de Nefris. Les superviseurs du laboratoire des golems comptent au nombre. Ah oui, d'accord. Résultat, nous ne retrouvons qu'avec des golems, on ne va plus savoir quoi en faire et pas de professeur pour nous apprendre à les utiliser. C'est vraiment dommage. Dame Rema disait toujours que pour comprendre le fonctionnement des objets, il fallait en examiner l'intérieur. J'ai bien réfléchi à tout ça, je me suis dit que le meilleur moyen de voir l'intérieur de ces golems serait de les combattre les uns contre les autres. Vous vous foutez de ma gueule. Ok, d'accord. Nous construisons donc des golems pour qu'ils se détruisent en combat singulier et moi j'organise les paris. D'accord, quels sont les éléments pour la fabrication des golems? Atelier, un marteau pour les golems là-bas dans le coin. Vous n'avez qu'à les réunir les éléments nécessaires, vous pouvez faire votre propre golem. Ah ouais! Alors, il me faut une tête, un torse, des bras, des jambes et un esprit. Ah! Rassemblez ces 5 composants et vous aurez fait le plus difficile. Dans cette salle, mais si vous vous disiez, je vous conseille de mettre des éléments de meilleure qualité. D'accord. Sinon, j'ai des renseignements auprès de la directrice. En dehors de quelques morceaux de chair éparpillés contre les murs. D'accord, bah fais gaffe à ce que tu dis, frère. Apparemment, j'ai entendu que des rumeurs. Très bien. Par contre, je sais comment gagner de l'or facilement. Je veux que vous en profitiez. Ah, bah oui. Roman a exécuté le professeur. Oui, d'accord. Ok, résultat. Blablabla. Ok, bon. Un petit combat de golem, du coup. Alors, station de façonnage de golem. J'ai bien fait de garder mes trucs. Marteau de création de golem. Ok. Et golem. Ah, des morceaux de golem. Bras de golem. Ah oui, d'accord. Va falloir que je trouve des bouts de golem un peu partout. Ça va être intéressant. Alors, il me faut une tête, bras, jambes, torse et un esprit. Je vais mettre mes propres morceaux de golem, moi. Ouais, parce que là... Ceinture, je prends. Alors... On va déjà mettre sur cette station tout ce que j'ai. Alors. Mon inventaire. Voyons voir. Ah oui, j'ai quand même ramassé bien des trucs. Fragment de masque. Alors, jambe de golem véloce. Très bien. Torse de golem imperméable. Très bien. J'ai un torse. Et l'autre, non. J'ai pas d'autre chose, moi. Marteau de création de golem. Ouais. Alors, j'ai des bras. Et il me manque... Il me manque la tête. J'ai une pierre d'ombre, ça sert à rien. Alors. Oui, voilà. Est-ce que je le masque, ça sert à quelque chose? Non, ça sert à rien. Il me manque une tête de golem. Non, il me manque une tête, mince. Ah, mince. Alors, attendez. Black. Ah oui, non, il me faut une tête. Euh...
Ok, alors déjà, faut pas que je fasse ça. Il me manque une tête. Pratique cette histoire. Ouais. J'ai peut-être oublié des trucs. Je suis en train de regarder hein, pendant ce temps, je suis navré. Il me manque une tête. Et ça, c'est pas cool. Mais en vrai, c'est juste une side quest un peu optionnelle. Je veux juste trouver une tête, faire ça et puis on passe à la suite. Hein. Mais c'est vraiment optionnel. Oh, je peux ouvrir? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a une tête? Jambe. Ah, golem, une tête, s'il te plaît. Torse, y a pas de tête. J'ai tout ce qu'il faut sauf ce que je veux moi. Oui alors, une jambe de golem, c'est nul. Torse de golem, c'est nul. Une tête là. Non, bah si j'ai pas de tête, hein, tant pis. Ah, lave-la la tête. Oui, la tête. Et bah allez, let's go. Let's go fabriquer notre propre golem, faire quelques matchs et puis on y va. Alors, du coup, tac, la tête de golem. Tant pis, la tête, elle sera classique. Et du coup, il faut que je fasse ça et que j'utilise ça ici. Ça marche? Pas du tout. Pas du tout. Faut bien que j'utilise dessus. Mais d'accord. Ah, j'ai oublié une essence. Essence de golem, qu'est-ce qu'on va mettre? Enfin, qu'est-ce qu'on va mettre comme essence? Essence d'esprit éclatant. Essence d'esprit éclatant. Let's go. Voilà. Et là, normalement. Bingo! Oh, il est mignon. Donnez un nom. Votre golem, on va lui donner un nom au golem. On va l'appeler. Golemrak, parce que j'adore Goldorak, c'est faux. Ok. Oh, trop bien, et il peut m'accompagner. Ne rien faire, il peut me suivre. Oh, il me suit. Ah non, c'est une invocation. Il est où, lui. Parfait. Eh, j'ai mon golem. Attends, paf. J'ai construit un golem, je voudrais participer. Ah, trouver un adversaire, ok. Anami, le creux est un golem très puissant, méfiez-vous car il encaisse bien les coups. Ok, le tarif est de 2000 pièces. Si vous gagnez, vous recevez 2000 pièces supplémentaires. Ah oui, allez, vas-y, de toute façon, hein, qu'est-ce que je rate? Oh! 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 Oh, et moi, il se débrouille! Eh, il se débrouille bien! Il se débrouille bien! Allez, bagarre! Oh non, à peine blessé. Ah non, mais il est à terre, là. Oui, il est à terre, c'est bon. Oh! Première win. Incroyable. Bah, trop fort. Ah, je récupère pas les morceaux. Oh, dommage. Je voudrais coller... Bah, j'ai construit... Oui, bah, voilà. Allez,
Merci, j'ai donc 4000 balles. Allez, on s'en refait une deuxième. Trouve un autre adversaire. Alors, votre adversaire était peut-être un peu faible pour vous. Vous aurez sûrement plus de mal à vaincre l'assassin barbuste. Un golem redoutable et à la fois rapide et puissant. Le tarif est de 5000. Let's go! La bagarre de golem, incroyable. Il esquive bien. Ah ouais, là je me prends des coups. Ça va être le dernier combat. Oh, le coup qu'il porte. Il est rapide. Je pense que lui, il joue pas mal sur l'esquive. C'est qui esquiver le plus possible. J'en profiter pour le réparer après. Ça se joue à rien, c'est incroyable. Je pense qu'à partir de là, les combats vont être un peu plus complexes. C'est fou. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Moi, je m'amuse. Je sais pas vous, moi, je m'amuse. Je prends toujours les dégâts, mais c'est pas un souci. Aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis pris un coup. Je le sais. C'est que de la luck. Falloir que je soigne au prochain coup. Enfin, avant le prochain combat. Ah bah là, je me suis pris 3 coups. Là, 3 coups pour remonter. C'est complexe. À moins d'avoir trouvé une partie de golem un peu particulière. Non, là, c'est le dernier coup. Ouais, malheureusement, 5000 pièces en moins. Bon, c'est pas un souci, je vais vous dire. Mais bon, ça, c'est amusant. Petite side quest drôle. Ouh. Oh là là, attendez, remontada. Oh la remontada. Oh le, il faut un coup. Un coup et je gagne. Oh là là. Oh là là. C'est celui qui met le coup qui gagne. Oh là là. Le combat. Le combat intense. Oh, incroyable, ce combat est fou. Oh, ce combat est fou. Par contre, faut que je te soigne, faut que je le répare. Hop là, on répare. Aïe aïe aïe, ce combat était fou. Vas-y, on enchaîne. Attendez, tac. Vas-y, j'ai construit un golem. Allez, troisième combat. Junior. Aucun rapport avec Maître Porusse, bien sûr, mais la fille qui l'a construit, il trouvait ce nom amusant. Votre golem solitaire est un sacré cogneur. Le tarif est de 8000. Je m'en fous. Oula, oui. Alors. Oula. Ah oui, il met des patates, mais il est assez lent quand même. En vrai, ça, je peux peut-être gagner, mais... Ah ouais, si. Non, c'est toujours compliqué, hein, c'est... Ah, celle-là, je me suis pris. Ah, on est... Ah, il y a une petite avance. Putain, le combat est fou. Ah, oula, la patate. Il esquive bien, quand même. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est serré. Ah, il y a une petite avance. Ah ouais, là il y a une grosse avance, hein, malheureusement. Ah ouais, c'est perdu, malheureusement, c'est 8000 pièces en moins. Quels sont les éléments nécessaires à fabriquer? Oui, bah non, mais j'ai perdu mes 8000 pièces. Non, attends. Eh ben, on va voir. Non, mais j'ai perdu 8000 pièces, c'est pas grave. Ah, j'ai perdu mon golem. Oh non. J'ai perdu mon golem. Bon bah tant pis. Oh, c'était amusant, c'était une petite quête amusante. C'était sympa. Allez, on continue, on avance. Ça reste ok. Eh, quand même, avec ce que j'ai déjà chopé, 2 victoires sur 5. Alors, je gagnais juste, pour ceux qui s'intéressent, de l'argent, puis au round final, c'était juste de l'argent ou au choix une âme. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un cours.
On a un cours, très bien, on va les laisser faire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah mince, ah bagarre. Bagarre, excusez-moi, bagarre. Merci. Ah, trois bagarres, trois étudiants pour la bagarre. Bon bah au coup, voilà, ça va être réglé, hein. Ah, je suis pétrifié. Suivez-moi. Ou alors je suis oula. La résistance à... Pourquoi je bouge plus? Ah mais j'étais juste bloqué en fait. J'étais tout simplement bloqué. Très bien. J'ai pas compris. Oh, il y a une porte. Armand. Peine. Armand, peine vénérable. Ah non. Ah, quoique. Oh, il y a... d'accord. Il y a un mob derrière la porte. Ouf. 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 Oh, le sort. Oh, le sort. Oula, oula, là, dis donc. Alors, une table avec un gourdin sur mon nul. Les restes d'un étudiant. Voilà. Des pièces d'or sur les... Sur cette table, on a un appareil mystérieux. Ah, la surface de cet appareil converge de leviers, de boutons, de pistons. Une petite cavité se trouve en son centre, un objet de pouvoir s'y loger, mais les effets qu'il pourrait subir sont difficiles, voire effrayants à imaginer. Je prends quand même. Ah, un mystérieux appareil. Et si l'appareil pour tâcher d'en élucider la fonction. Intéressant, intéressant ça, dis donc. Alors. Du coup, je regarde ma boîte. Activation de l'objet. Tiens, bah attends, c'est vu qu'on a un truc sur les esprits, on va utiliser ça sur un esprit. Tiens, un esprit de terre, par exemple. Rien ne se passe, non. Ah. Examiner. Je sais pas. Ah, si je l'utilise sur moi, rien ne se passe. D'accord. Bon, il y a un truc que j'ai peut-être pas. Pièce d'or. Et ça, c'est quoi? Une porte. Bon, je peux la crocheter. Est-ce que je peux vraiment réussir à la crocheter? Semble-t-il que non, une clé nécessaire. Ouais, il y a des objets qui nécessitent des clés. C'est pas le plus important, c'est pas le plus grave. Ok, bon. Là, on va surtout avancer dans le jeu, je vous l'annonce. On va pas s'éterniser plus que de raison dans cet endroit. Ici, il se passe pas grand-chose. On va ressortir, se soigner, et puis aller dans les quartiers des professeurs. Ah, oui, il faut. Oui, après vous êtes dépensé, oui. Hop, tac. Ok. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On va faire une petite sauvegarde. Voilà, et puis, ben, on y va, c'est reparti. Quoique, est-ce que si je tente d'aller vers la tour, il se passe quoi? Techniquement, la tour, c'est la fin du jeu. Ah oui, oui, bon, je vais quand même aller en bas. Et là, il y a... Ah, bagarre. Bagarre. Une bagarre. Deux bagarres. Trois. Voilà, bon bah. Une.
Au coup. Au coup. Au lieu de rien faire. Voilà. Il y en a deux qui font rien là ou je rêve? Voilà. Voilà. Et facile. Et là on a quoi? D'accord. Rien du tout, rien du tout. Rien ici, rien ici, rien ici, rien dans le four. Il n'y a rien dans ce four, même pas un truc dans le four. Oh, c'est nul. Oh, une caisse. Bras lesté de golem. Oh, une autre paire de bras. Oh. Ah, c'est ça qu'il m'aurait fallu. Je vais les prendre, mais mon golem il est pété. Je suis deg. J'aurais pu prendre un golem pour m'aider dans les combats. Ça aurait pu être super. Allez, le quartier des instructeurs. Let's go!